sommes Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous avez la chance aujourd'hui d'accueillir celui qui s'est battu, qui a pu se faire avec une équipe qui nous a fait gagner la connexion de Papassi. Il a été le livre qui se lit à travers le monde. Il a envoyé international, a défendu le Cameroun, a défendu le pays de la série de Dieu, la famille de Papéa. Il est dans chaque semaine à la présence de la Réfoudaine pour le mois d'octobre 2018. C'est le seul. Premièrement, on dit changeons d'avenir dans la paix. MRC, deuxième fois, changeons d'avenir dans la paix. Et troisième fois, victoire. Allons-y ensemble. MRC, changeons d'avenir dans la paix. MRC, changeons d'avenir dans la paix. MRC, victoire. Jusqu'à étudier en passant par Toubou. Merci. Au parti politique. Au
regard de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion de biens et de personnes, de la marginalisation des pauvres, de la corruption et j'en passe. Et j'en passe, le FNC Mouvement pour la Résistance a promis ses mesures aujourd'hui en mesure de construire un colonel commun sans conflit pour elle, même où régner la paix et la justice. Promouvoir le développement du Cameroun dans les domaines économiques, socioculturels et politiques. Combattre le chômage et l'échec en étudiant les concours et les recrutements dans les entreprises, dans la politique et les produits privés. Combattre avec le dernier énergie, la pauvreté, la pauvreté. La population de tous les vous avez sa motion de soutien et vous permet la fédérité ou la vie, quelles qu'en soient les difficultés. Cependant, nous devons remercier tous les ensembles. La construction d'une permanence du parti de l'ESC pour nous réunir et réunir. La population a envoyé de la promotion pour les sensibilisations. Et le travail dans les villages, les zones de tous les lieux. Madame et messieurs, je ne serai terminé mes propres cas que vous adressez, mais si on peut remercier pour m'avoir mélangé aucun fort, c'est l'école pour le donner les classes et les entreprises à ce moment-là. Vivre l'arrondissement de Paul, vivre le RSC, vivre le Cameroun. On y a laissé là.
Je vous salue. On est à Valéthan. 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 On est à par le bon Dieu.
mais j'ai la volonté et la force qu'il m'a donnée pour que nous fassions ensemble pour réussir pour le bien de tous les Camerounais. Et qu'est-ce que nous allons faire ensemble? La première chose, c'est de lutter contre le chômage des jeunes. C'est de lutter sans relâche, sans envie, sans nous fatiguer contre le chômage des jeunes. Et nous allons lutter comment? Regardez toute cette jeunesse. On dit que la jeunesse, c'est le fer de l'âme de la nation. Mais tout bon chasseur sait que si la pointe de la lance n'est pas bien appuyée, il ne peut pas tuer l'animal avec ça. Donc la jeunesse camerounaise apporte du chômage et une lance dont la pointe est cassée. C'est pour cela que j'ai dit que je vais travailler à limer cette pointe-là, pour qu'elle puisse encore frapper sa cible. Et on va le faire à travers deux choses. La formation et l'accompagnement des jeunes. On va former les jeunes. Je ne dis pas éduquer, je ne dis pas donner des diplômes. Je dis former. Mon programme prévoit que demain, je mettrai en œuvre les structures qui sont pour que tout jeune Camerounais reçoive une formation. Comment? Il y aura deux niveaux de formation. Pour ceux qui ont déjà le baccalauréat et les diplômes universitaires à la licence de la médecine et qui ne trouvent pas d'emploi parce que, par exemple, ils ont une licence en sciences économiques, en histoire, en géographie, en philosophie, et ils ne trouvent pas d'emploi. Je vais faire qu'ils sortent du mauvais couloir où ils sont pour entrer dans le bon couloir. Et comment? C'est par un pont, et je compte sur la formation. C'est une formation qui va durer de 6 mois à 24 mois. C'est-à-dire de 6 mois à 2 ans. Je vous explique. J'explique toujours comment on va faire. Pour que... Parce que quand je vais partir au boulot, les gens vont venir vous dire, ah, ce sont les vendeurs d'émotions. Mais c'est vrai que moi, je vous dis comment on fait. Donc, un jeune qui a par exemple une maîtrise en sciences économiques, il ne trouve pas de travail. Si nous lui faisons suivre une formation spécifique de 2 ans, parce que si on est ingénieur informaticien ou électronicien ou électricien, on va lui trouver du travail. Donc, si vous formez ces jeunes pendant 2 ans uniquement à l'informatique ou pendant 2 ans uniquement à l'électronique, au bout de 2 ans, il y aura la qualification nécessaire d'ingénieur informatique. Donc, et donc, ils sont du mauvais couloir pour entrer dans le bon couloir parce qu'il y a du travail. Voilà comment nous allons faire. Et pour le faire, nous allons créer dans les 58 départements que nous avons des instituts de formation professionnelle et technologique. Des instituts de formation professionnelle et technologique. Maintenant, pour les jeunes qui ont quitté l'école très tôt, qui ont le cercle, et parfois moins, on les écoute. J'ai dit partout que l'avenir de ces jeunes que je vois, ne peut pas être seulement des boutons d'action. Parce qu'un jeune, quelle que soit sa vie, ne peut pas conduire le boutons d'action pendant plus de 15 ans. Son corps est cassé. Donc ça ne peut pas être son avenir. Il faut même lui donner une chance. Donc pour les jeunes qui ne sont pas allés voir à l'école, nous ne les oublions pas. Il y aura des formations dans ce que nous appelons des centres de métier. Les centres de métiers, c'est par commune, dans chaque commune. Une commune comme Toumoron, comme tous les 360, toutes les 360 communes du Cameroun auront des centres de métiers. Dans les centres de métiers, on va pas vous former, comme je l'ai dit, à avoir des diplômes ingénieurs. On va vous former à des métiers pratiques. Si vous voulez être électricien, carreleur, charpentier, menuisier, coiffeur, peut-être agent agricole, on va vous former dans le centre de métier pour une durée qui va aller de 3 mois à 1 an et demi en fonction du type de métier que vous voulez apprendre. Donc, ça veut dire quoi? À l'heure actuelle, si je viens ici à Toumoron avec des valises d'argent et je reviens 6 mois après, il aura plus bien. Parce qu'ils n'auront pas été formés à utiliser cet argent. Seuls les quelques chanceux qui
Alors, moi, je prends le problème autrement. Je mets fort la porte. Qu'il sache faire quelque chose. Parce que si vous formez un jeune ici à Togo, et il est un bon plombier, il est un bon plombier, je vous assure de votre travail. Si vous formez un jeune, et il est un bon électricien, pas le cas qui vous dit, après vous avez les poursuites, mais quelqu'un qui a appris à l'école, il va nous donner du travail. Et cette formation, ça ne va pas être fait par des professeurs de théorie, ça va être donné par les praticiens. C'est-à-dire les gens qui eux-mêmes ont déjà la place. C'est pour cela que nous avons dit les formateurs seront des gens qui auront un contrat avec les gens. Par exemple, ça peut être un fonctionnaire à la retraite ou même un homme qui avait son entreprise mais qui a un petit travail pour on va dire bien transmettre ce qui s'est touché. Vous voyez? Et donc, de cette façon-là, les jeunes auront des qualifications qui leur permettent soit de créer leur contrat. Et ça, c'est seulement la première partie, c'est la formation. Une fois que vous êtes formé, c'est à quoi on va accompagner. Parce qu'on sait qu'un jeune n'a pas l'argent. Donc, il peut être bien formé en menuisier, mais il n'a pas l'argent pour acheter l'équipement. Donc, moi, dans mon programme, je dis qu'au lieu de venir vous donner l'argent, on va acheter des outils pour vous installer comme menuisier. Donc, c'est ça l'accompagnement. Donc, dès que vous avez fini, si vous voulez vous installer à Togo, on ne va pas vous demander d'aller à Yaoundé ou à Yaoundé ou à Yaoundé, vous installer à Togo. Et à ce moment-là, soit l'État en parlant de la commune peut vous accompagner à Togo. Voilà comment nous allons faire le chômage des jeunes. C'est une pratique que nous avons vécu. J'ai été partout depuis que j'ai commencé par ce à l'extrême nord, au nord. Nous sommes ici au nord. Je voulais arriver ici à partir de Dieu. C'est possible. La route, donc je suis allé jusqu'à Gaoundé pour vous voir. Ça veut dire que j'ai parcouru plus de 600 km, 700 km pour venir voir. Ça veut dire que vous êtes important à monsieur. Ne l'oubliez pas. Parce que je veux vous comprendre. Au Cameroun, sachez-le, les hommes politiques, un homme politique, permettez-moi de dire ça comme ça, qui se soucie des jeunes et de l'avenir de notre pays. La raison pour laquelle je me suis engagé en politique, chers amis, ce n'est pas pour moi. J'ai été ministre dans ce pays, j'ai démissionné. Je suis avocat, je pourrais continuer à pratiquer. Mais je suis dans ce pays et j'ai dit, j'ai monté mes peurs. Je vais apporter ma contribution pour régler les problèmes du pays. Et que ça plaise à certains ou pas, je vais le faire. J'ai promis et j'ai pris l'engagement
Et si vous me faites l'honneur, le 7 octobre prochain, de me faire accéder aux fonctions du président de la République. Si vous me faites l'honneur de faire de moi le prochain président de ce pays, je m'engage avant la fin de mon mandat de connecter 80% des ménages camerounais à l'électricité. 80%. Meilleur point, en dehors du chômage des jeunes, il y a un aspect qui me tient à cœur, la santé. La santé. J'ai dit que, puisque vous avez applaudi, et donc je comprends que vous êtes décidé à ce que nous enseignons, alors déjà, dès 2019, à partir de 2019, dans le domaine de la santé, toutes les femmes qui accouchent par césarienne accoucheront gratuitement. En faisant des économies sur les dépenses consacrées à un faste qui ne correspond pas au niveau d'un pays en développement ou non. À l'heure actuelle, les véhicules administratifs dans lesquels certains hauts fonctionnaires roulent, marchent, même dans les pays les plus développés, même les pays qui fabriquent ça, leurs fonctionnaires ne peuvent pas. Avec tout le monde et des pays. Donc j'ai dit, au lieu d'acheter une voiture de 60 millions pour un fonctionnaire, on va lui acheter une voiture de 30 millions. Donc je divise les par deux. Au lieu de lui donner le carburant de 4 millions de francs par mois ou par trimestre, je vais diviser par deux. Sauf pour ceux qui vont faire le contrôle dans le pays. Mais si vous vivez à Kiboro et vous quittez ici pour aller à votre pays, pourquoi on vous donne une carte comme si vous alliez. Je ne sais pas moi. Pourquoi est-ce qu'on vous donne 4 millions comme si vous alliez. Donc on peut réduire ces dépenses. Alors que je vous donne les chiffres. Dans notre pays, il y a toute une série de personnes ou personnalités qui ont le droit de voyager en première classe. Quand elles vont à l'étranger. Ce sont les ministres et assimilés, c'est-à-dire ceux qui ont rendu le ministre, tous ceux qui ont rendu le ministre. Les conseillers techniques à la présence et dans les services du Premier ministre, les chargés de mission et même les attachés. Ça fait beaucoup. Or, ils ont le droit de voyager en première, mais quand le président est établi, en première classe, entre Yaoundé et Paris, c'est 6 millions de gens. Mais, je vais dire simplement, je ne vais pas vous ramener trop bas pour que vous soyez en quoi c'est tout. Vous allez voyager en France, mais c'est très confortable, mais ça va vous donner 3 millions de dollars. Donc sur 6 millions, j'économise 3 millions. Et je ne peux pas continuer comme ça à vous montrer des chapitres sur lesquels on peut faire des économies, sur les dépenses pour financer le programme social. Donc je ne parle pas en l'air. Je parle sur des chiffres complets. Si on prend le budget de l'État, je peux vous dire. On va faire des économies si on arrive à tant de milliards pour financer la santé. Parce que le Cameroun ne peut pas être un pays à plusieurs vitesses. Où certains, effectivement, ont des facilités de vie, cependant que dans le monde rural, qui représente 60 à 70% de la population, les gens manquent de l'eau potable, tout simplement de l'eau potable à moi. Est-ce que ce sont pas les Cameroun? Est-ce que ce sont pas les Camerounais? On doit donc s'occuper de tout le monde. Il faut donner sa chance à tout le monde. Nous sommes dans un pays où la plupart de nos dirigeants, les amis, nos frères, sœurs qui dirigent, sont des filles de paysans. Mais grâce à leur travail, ils se sont hissés au sommet de la société. Mais ce que nous déplorons, c'est que dès qu'ils sont dans le maillot, ils ont cassé le fond des années. Plus personne ne passe. C'est pour ça que j'ai dit que je vais reconstruire tous les ponts là pour que tout le monde passe. Ce n'est pas moi. Vous savez comme moi, c'est pas moi qui ai déclaré les résultats d'un concours, il y avait même un bord là. Donc il faut qu'on arrête là.
Je dis, nous avons un bel avenir devant nous, mais travaillons et mettons-nous ensemble pour créer les conditions de changement dans notre pays. Je vous ai parlé de la santé, mais je n'ai pas tout en matière de santé. J'ai dit aux Camerounais que nous mettrons en place, dans les 3 ans qui viennent, une couverture maladie universelle minimum. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, à l'heure actuelle au Cameroun, seuls les fonctionnaires et les employés des sociétés déclarés à la CNTS ont le fonds de couverture santé. Donc, près de 60 à 80% de la population n'ont aucune couverture. J'ai donc dit que dans les 3 ans qui viennent, nous aurons une assurance maladie, c'est-à-dire que tout Camerounais, paysan, cultivateur, éleveur, petit commerçant, aura le droit à des soins gratuits pour les maladies de base comme le paludisme, la méningite, le choléra, toutes ces maladies de base. Vous aurez accès à cela gratuitement. Dans les 3 ans. Et pourquoi je dis en 3 ans? Parce que 3 ans, c'est le temps pour mettre en place le dispositif d'approvisionnement en matière de médicaments et approvisionner les pharmacies et faire que le système fonctionne. Donc, si vous allez à l'hôpital, nous savons qu'il y a si vous avez le palu, on doit vous donner le traitement. Allez voir chez vous. Ça, nous sommes capables de le faire en tant que. Parce qu'il y a les moyens. Parce que le traitement de paludisme, aujourd'hui, il y a même le génétique, le coup de les yeux de la tête. Mais nous savons qu'il y a encore des Camerounais qui meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un traitement de paludisme. Nous devons donc être intéressés. Je n'ai pas voulu entrer dans beaucoup de détails sur ma politique agricole, sur ma politique industrielle. Je vais simplement vous dire une petite chose. Dès que nous accéderons au fonctionnement, premièrement, on va revoir la constitution puisqu'il va falloir qu'on règle le problème en deux ans. Qu'on règle le problème de la forme de l'État et qu'on mette cela dans la forme. Peut-être que l'on soumettra à l'approbation des amendements par le rapport ou par le. Il va falloir. Deuxièmement, il va falloir réintroduire dans notre constitution la limitation du nombre de mandats. Un seul mandat renouvelable, une seule fois. Un mandat renouvelable, une seule fois. Et vous ne me verrez jamais, si vous me faites la grâce de ces mandats-là, qu'après cela, je viens vous demander de faire une rallonge pour que je ne fasse pas. Il a ajouté au moins 2 ans pour que je construise le pont et tu auras construit tous les ponts du Cameroun. Chaque dirigeant d'un pays doit faire ce qu'il peut quand il a fini par une des autres conflits. Nous les êtres humains, on va toujours passer et le pays va rester. Donc, fais ce que tu peux et laisse d'autres vont continuer. De la même façon, j'ai dit qu'on introduira dans la constitution l'élection présidentielle à 2 tours. Parce que ce qui a lancé, le 7 octobre, nous aurons une élection à 1 tour. Mais quelqu'un peut être élu seulement avec 25%. Et ça, c'est 25% des votants, même pas les tous les inscrits. Et vous savez que tous les inscrits ne représentent que autour de 7 millions et demi sur les 25 millions que nous sommes. Comment peut être président choisi simplement par 2 ou 3% des Camerounais, c'est-à-dire peut-être 1 million? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on a la légitimité? Donc il faut introduire un système qui permet à un président d'être élu par la majorité absolue des Camerounais. Et donc il faut une élection à 2 tours. Et enfin, je dis sur ce chapitre que nous ramènerons l'âge électoral à 18 ans. Pourquoi? Parce que dans notre pays, sur le plan pénal, un enfant, un jeune de 18 ans est responsable et on peut même le condamner à mort. Mais pourquoi est-ce que vous êtes pénalement responsable à 18 ans et vous n'êtes pas assez majeur, responsable pour pouvoir choisir votre président? Donc il faut ramener l'âge électoral à 18 ans. Enfin, croyez-moi, je mènerai une lutte acharné, déterminé contre la corruption. Premièrement, en mettant en œuvre effectivement la loi de 2006 sur la déclaration des biens et avoirs, je signerai
comme premier texte le décret d'application de cette loi, parce que je souhaiterais, avant d'entrer en fonction, que vous sachiez quelle est ma fortune, quels sont mes biens. Pourquoi à la fin du mandat, si j'avais 100 francs, vous voyez que j'ai 10 francs, vous dites, non, père, tu as exagéré, tu ne peux pas avoir. Parce que ça, tout le monde comprendra alors que j'ai c'est la corruption. Il faut donc, c'est le premier acte, la déclaration des biens et avoirs. La deuxième chose, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'organismes qui luttent contre la corruption. Il y a la CONAC, il y a l'ANIF, il y a le ministère chargé du contrôle supérieur de l'État. Mais aucun de ces organismes n'a le pouvoir de saisir la justice lui-même. Donc chacun doit faire le rapport et avoir au président de la République. Or, ce n'est pas le président de la République qui est la justice. Si vous constatez que quelqu'un a des données, saisissez la justice. Si la justice dit qu'il est libre, il est libre. Mais si on attend que ce soit quelqu'un qui décide quand il poursuit, quand il ne poursuit pas, je ne parle pas. Donc la lutte contre la corruption ne peut pas être efficace. La troisième chose, c'est que nous veillerons à ce que quelqu'un qui a distrait, c'est-à-dire qui a volé la fortune publique, ne puisse jamais jouir de cette fortune. À l'heure actuelle, vous avez des gens qui sont en prison parce qu'ils sont poursuivis pour des documents, mais ils continuent à construire des immeubles en ville. Ils continuent à faire des mouvements de leur compte. La prison donc sert à quoi? Donc il faut s'assurer que quelqu'un qui a détourné l'argent public doit effectivement restituer cet argent et la plupart de la compte. Voilà quelque chose. Je vais terminer en vous disant ceci, mes chers amis. Parce que on a commencé ce meeting à normalement on devait le finir à 18h. On ne peut pas le faire là. Je vais vous dire une chose. Le 7 octobre prochain, c'est la journée de la destinée. C'est la journée de la destinée, du Cameroun en tant que nation et du destin de chacun de nous en tant que citoyens. C'est-à-dire que nous allons choisir si nous voulons continuer dans la situation actuelle, avec cette masse de jeunes au chômage, avec la situation dans laquelle nous trouvons comme pays. Ou si nous voulons changer. Et si nous voulons changer, comme je vous l'ai dit, c'est par les urnes. Donc il faut aller voter le 7 octobre. J'espère que vous avez vos cartes de lecteurs. Au moins la majorité d'entre vous. Allez voter. C'est avec cela que vous changerez. En matière électorale, c'est 1 plus 1 égale victoire. 1 plus 1 égale victoire. Si ce jour-là, la maladie commence à me déranger, je vais demander une parole. Allez voter pour que le Cameroun soit un Cameroun où le soleil brille pour tous ses enfants. Allez voter. Pour que, à la préparation de l'État, j'envoie le message à tout le monde en disant choisissez une délégation, envoyée à Yaoundé, pour qu'on ouvre ensemble le portail de l'État pour rentrer et changer. Hey, Allah Tabutun Barka, c'est Maurice Capdo. Babam Baba, Soudam Allah Wadu Barka, Wadan Barka, Ngeouta Mabeli. Gauta Mabeli Allah betu barka do barka mi hida be present MRC dalila on wadata dalila ko dum goto mo laare baba amen be barka alors